un film d'animation qui a un grand succès. Grand succès par le public, dans les salles de cinéma en France, même en Europe, et maintenant au Parlement européen. Oui, c'est sûr, pour moi c'était une grande surprise que le public autant large puisse accueillir ce film. Très très bonne surprise, je suis très content. Et surtout d'être ici au Parlement européen, puisque moi je suis suisse, et que c'est la première fois qu'il y a un film d'animation au Parlement, donc je suis doublement surpris et content d'être là pour décloisonner un petit peu le cinéma d'animation et le cinéma suisse. Vous avez choisi un thème pour l'animation qui n'est pas facile, les enfants abandonnés. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure, hier au séminaire, que votre projet a mûri très longtemps? Pourquoi vous avez choisi un sujet aussi difficile pour un film d'animation? Eh bien, rappelez-vous Les Choristes, c'est un film qui a très bien marché, qui est un mélodrame. Il y a Les 400 coups, enfin, il y a beaucoup d'exemples de films d'orphelinat. Je pense que c'est un sujet intéressant, mais ça faisait quelques années effectivement qu'il n'y avait plus vraiment. Ce sujet n'avait plus été abordé. Et en animation particulièrement, je pense que c'était intéressant puisque pour un film d'animation, c'est pas très courant d'aborder une thématique réaliste et c'est comme ça moi que je me suis intéressé à ce livre et que je l'ai adapté. Est-ce que c'était facile de réaliser ce projet? C'était pas très facile de le réaliser, mais ça a été beaucoup plus dur, disons, que de trouver les financements et les producteurs pour le démarrer. Et une fois que j'ai trouvé les bons producteurs et qu'on a pu le présenter, chercher des financements, disons que les plus grosses difficultés étaient derrière nous quand même. Je peux dire qu'en avoir vu le film avec mes enfants, que nous les adultes, on les supporte moins le message qui sort de ce film. Est-ce que vous avez une explication? J'ai pas d'explication, c'est pas fait exprès. Puisque avec Céline Sciamma, la scénariste, on a fait très attention à raconter le même film aux adultes et aux enfants. On n'a pas voulu faire deux niveaux de lecture. Mais après, malgré tout ça, effectivement, un adulte et un enfant, ils ne reçoivent pas le film de la même manière, même s'ils voient le même film. Et moi, je me dis que les enfants... Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants sont... Ils sont dans le film, ils rencontrent ces enfants à l'écran, et à la fin du film, ils se posent des questions sur ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Et j'ai l'impression que les adultes, ils sont beaucoup plus éloignés, et ils réfléchissent à leur propre enfance, et il y a une grande nostalgie qui naît à la fin du film pour les adultes. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal d'adultes avec des larmes à la sortie du film, et par contre, aucun enfant. Je pense que les enfants sont plus dans quelque chose de direct et de joyeux. En discutant avec les enfants, moi j'ai trouvé que les films se terminent bien. Et ils m'ont dit non, c'était triste à la fin. Apparemment parce qu'il reste encore d'autres enfants dans l'orphelinat. C'est ça, ouais, il y a quand même... On raconte l'histoire de Courgette, mais on raconte aussi l'histoire de tous les autres enfants. Et de ce moment privilégié où ils peuvent former une famille. Mais en même temps, un foyer, c'est pas un endroit où on peut rester toute la vie. Et donc, on a décidé de raconter aussi un petit peu l'étape d'après. Et c'est à la fois triste et joyeux. Je pense qu'il y a un mélange des deux, ouais. Monsieur Barras, je remercie beaucoup et cette interview qui sera diffusée sur le site du Festival International des Films Nancy-Lorraine. Est-ce qu'on peut vous attendre l'été prochain, 2017, si vous êtes disponible de... Si ça avait été ce printemps, ça aurait été difficile, mais l'été prochain, il y a des chances que je puisse venir, ouais, avec plaisir.